Je dis, nous pouvons comparer l'armée américaine avec l'armée russe. C'est des gros taureaux qui gagnent sous planète ça. Et d'ailleurs, de pour parler de grande puissance ou pas capacité non de pays ça yo du tout, si on parle de questions militaires. Et parfois, dans presque tout domaine, yo là. Mais est-ce qu'on connaît qui quantité soldats chaque l'armée ça yo gagne? Est-ce qu'on connaît qui quantité matériel chaque l'armée ça yo gagne? Est-ce qu'on connaît tout qui budget qui disponible pour chaque l'armée ça yo? C'est ça que je vais expliquer. Bonjour, bonsoir Internet. Comment nous y est? Une autre fois encore, faut me dire nous merci parce que nous partager contenu à ce côté qu'on est. Waouh, waouh, ça fait plaisir. Faut que nous t'aouais. Deuxième ferme, je m'a dit ça. Tellement me senti très reconnaissant. Alors, la vidéo est bien rapide. Les États-Unis, nous connaissons déjà ses premières puissances économiques mondiales. Et là, on parle de question puissance militaire, de pour fin dit les États-Unis, tout de suite, ou obligé dit la Russie. Comparaison nous va faire aujourd'hui à son façon pour nous ka vraiment situer nous, si tu as un l'obéi qui pète entre deux gros yo, qui est-ce dans le pays qui a une chance de porter la mayol là? Mais en termes de comparaison, on est important pour nous rappeler une guerre américaine avec Vietnam. En tout cas, ça va passer, j'ai un film où tu penses que tu as capacité. On a. Première information que nous connaissons, c'est que les États-Unis trouvent le continent américain, ça qui est tout près nous. Et puis, la Russie lui-même trouve en Europe, ça veut dire distance entre deux pays, ça y est, un bon petit bagage, c'est pratiquement 9000 km. Mais si tu as une guerre qui éclate, nous connaissons des armes qui ont parcouru toute la terre. Donc, 9000 km là, c'est un coup sorti dans la cuisine, entrer dans le salon. États-Unis ont une population d'environ 300 millions d'habitants, tandis que la Russie lui-même gagne une population avec environ 146 millions d'habitants. Commandant-chef de l'armée américaine, c'est président américain actuellement, pendant qu'on a parlé à la qui c'est président Donald Trump, et commandant-chef de l'armée russe, c'est Vladimir Poutine. Nous connaissons qui c'est président Fédération Russe. L'armée américaine, c'est une armée qui a plus de branches sous terre. Elle dit plus de branches, plus de corps qui existaient dans même l'armée. Nous avons cité l'armée terrestre, force aérienne, corps marine, marine de guerre, garde côtière, force spatiale, etc. Il n'a pas été très force spatiale. Mais non, il existait. Force ça, c'est force. Soi-disant qu'il a pour réaliser une mission dans l'espace. L'armée russe lui-même gagne environ trois branches qui sont force terrestre, force aérienne avec flotte maritime. Quand on regarde la quantité de soldats qui sont actifs dans l'armée russe, il y a environ 1 million soldats qui actifs dans l'armée russe là, tandis que l'armée américaine elle-même a environ 1 400 000 qui actifs. Pour l'armée américaine là, où j'ai environ 848 000 soldats qui sont bon, donc ça qui l'a en réserve en cas où il y a nécessité pour faire appel avec yo. Pendant ce temps, pour la Russie lui-même, c'est environ 2 500 000 qui disponible sous bon réserve là. Maintenant, on regarde qui quantité l'argent chaque pays ça a décidé de dépenser dans l'armée chaque année. Parce que nous connaissons le budget l'armée qui influence en pile sur la capacité matérielle l'armée a gagné ou bien capacité pour réagir face à un ensemble de situations. L'armée américaine a mis un gros lot dans le jacout pour l'armée. C'est une valeur qui est soufou de environ 716 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, la Russie lui-même mettait environ 65 milliards de dollars dans la Népal. Et ça n'a pas empêché d'y été de gros taureaux. Quand on a posé cette question, mais pour qui ça les États-Unis obligés de passer tout comme ça dans l'armée là pendant ce temps? L'armée russe est un gros armée avec budget ça. C'est parce que surtout,
L'armée américaine a tellement gagné en pile branche et pour toute branche, ça va continuer à fonctionner. Il y a besoin en pile corps et surtout si vous fait voyage dans l'espace, c'est bagaille qui coûte en pile. Donc, doit gagner bon petit coup de chocho qui est disponible pour question l'armée. Ben, qu'on y a l'important pour nous faire un coup de pied sur question matérielle, parce que si nous parlons de quantité de soldats, nous parlons de quantité d'argent disponible, mais qui ça gagne comme matériel pour chaque armée ça? Si nous regardons des chars de combat, l'armée américaine lui-même li gagne environ 8000. Pendant ce temps, l'armée russe gagne environ 18000. Bon, maintenant, dans ce qui concerne les camions automoteurs, camions qui là pour mettre au busier, l'armée américaine gagne environ 992. Pendant ce temps, l'armée russe gagne plus que 6000. Ça qui concerne les lanceurs de roquettes, donc ça pour yo lancer, c'est pas gros missile yo non, mais on va carrer les petits missiles. L'armée américaine lui-même yo gagne environ 1055. Pendant ce temps l'armée russe gagne 3860. Kounya, on fait coup de pied dans ça qui gagne pour avec force aérienne qui ça chaque d'un gros tour ça yo gagne dans Jakout yo. Dans ce qui concerne les forces aériennes, vous pouvez voir une grosse différence entre l'armée américaine avec l'armée russe. Là, même je vous vois une grosse différence dans l'autre matériel que vous citez là par rapport à la Russie et l'américain. Avion de combat, l'armée américaine a gagné environ 2360. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 869. Dans ce qui concerne les avions d'attaque, l'armée américaine a gagné environ 2800. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 1400. Donc, vous avez bien compris que l'armée russe investit en pile dans la bataille face à face, surtout la bataille qui a fait sous terre, mais l'armée américaine investit en pile dans la force aérienne. Avion de transport, c'est avion qui là pour transporter soldats ou bien matériel de guerre. L'armée américaine a gagné environ 1100. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 440. Avion d'entraînement, ça qui l'a pour entraîner soldats, faire exercice. L'armée américaine a gagné plus que 2800. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 490. Toujours dans ça qui est pour acclamer de l'air, qu'on y a un garde qui ça, chaque pays ça a gagné comme hélicoptère. L'armée américaine a gagné environ 5700 hélicoptères. Pendant ce temps, l'armée russe lui-même a gagné environ 1480. Maintenant, hélicoptère d'attaque, l'armée américaine a gagné environ 987. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 514. Bon, vous connaissez chaque pays, ça y est, vous-même, vous gagnez la marine. Donc, corps qui l'a pour gommer sous l'eau. Quoi qu'il a pu faire patrouille sous la mer, on garde qui ça a gagné comme matériel. Dans ce qui concerne les bateaux de guerre, l'armée américaine a gagné une flotte qui est évaluée à environ 68. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 13. Pont d'avion, ça qui l'a pour porter avion yo de yon zone à l'autre zone et qui tout servi tant pour une piste d'atterrissage tout, donc un petit aéroport mobile. L'armée américaine a gagné environ 24. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné seulement un. Sous-marin, nous connaissons sous-marin, c'est un outil que l'armée, bon, en fait, pays a utilisé en pile parce que c'est un moyen de transport qui est assez secret parce que lui-même, il marche exactement en bas en mer. L'armée américaine a gagné une flotte à environ 68. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 56. Et dans ça qui est pour avec bateau d'escorte, qui c'est bateau qui l'a pour accompagner gros convois, l'armée américaine a gagné environ 15. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 82. Frégate, c'est un type de bateau qui l'a surtout pour protéger, par exemple, porte d'avion. Ou bien tout qui protégeait porte hélicoptère ou bien n'importe l'autre gros bateau, par exemple, yo kon utilise yo pour protéger un bateau qui pote gaz yo tout. L'armée américaine a gagné environ 22. Pendant ce temps, l'armée russe a gagné environ 13.
contenu ça yo n'a rappelé que yo ka changé à tout moment. Dans moment n'a parlé a yo ka changé quantité a ka réduit comme ça tout li ka vraiment surélevé. Pour qui ça? C'est parce que au niveau défense gen en pile donné que l'armée yo pa jamais mettait dehors au grand public. Toujours des armes qui cachées, toujours des matériels militaires qui cachent. Dans vidéo ça nous pas parler de ça qui concerne les armes nucléaires. Ni nous pas parler de ça qui concerne les armes qui pour permettre yo boumer face à face. Tant coup avion qui pas des pilotes là-dedans yo, on paquet notre qualité d'armes que nous pas ta parler sinon vidéo ça il t'a trop long. Dans prochaine vidéo, n'a pas parler de yo. Pour y arrêter ou même pour décider en fonction de ça nous dit yo dans yo guerre entre deux pays ça yo d'après vous. Est-ce que jouet la table dit ou bien est-ce que vous pensez bon pays qui t'a porté la maillot là bonnet bonnet. Il était connu pour partager vidéo ça à tout côté et surtout si vous pas quoi abonner faire ça et puis quitte un like pour supporter travail ça. Vraiment pile n'a pas tout de suite pour l'autre vidéo.